Salut les Ludogeeks et bienvenue dans cette vidéo avec Dimitri. Salut. Où on va peindre des Gretchen. Ouais. Des peaux vertes pour le October, puisqu'on est en plein mois d'octobre. Games Workshop a annoncé October, la ressortie des orques pour Warhammer 40 000 et d'autres surprises, notamment donc Speed Freaks, le jeu de course de voiture avec des orques. Ça doit arriver dans le mois, on va voir quand. Et nous, ça nous a redonné envie de peindre de l'orque. De la peau verte. La peau verte. Et on va commencer par du Gretchen, du petit, du collector que Grégory qui a retrouvé dans le fond de ses armoires. C'est joli. Non, dans celle-là, juste à côté de toi, tu vois. Pardon. Ça va. Bon, c'était pas très très profond. Mais c'est joli. Voilà, donc du petit Gretchen V2 de la boîte de base de Warhammer 40 000, donc le petit machin avec son énorme canon, un énorme pétoir. C'est ça. Donc voilà, donc on va donc juste aborder la peau. Ce soir, c'est la peau. Voilà, et puis... on fera un prochain épisode, ouais. On avait prévu de vous faire plusieurs épisodes sur les différentes teintes. Ça peut être l'occasion, du jaune, du rouge, du vert. Ouais, bah oui, voilà. Ce sera soit lui, soit un copain, on va voir. Voilà. Donc, bonne vidéo. On espère que ce tuto peau vous plaira. Tuto duo, j'ai envie de dire. Tuto voilà. Duo, ouais, tuto c'est duo. Pas mal. C'est pas mal. Ouais, tuto duo, voilà. Trouvé en direct. Voilà. C'est beau. Ça restera. Et donc, c'est parti pour le tuto duo. Go. Bon, pour commencer, ce soir, on va vous faire une petite séance peau verte. Bon, quand je dis peau, pour le coup, c'est pour de la peau, mais c'est utilisable, je pense, sur moult surface, on profite d'October pour vous proposer un petit tuto sur le verre. Alors Grégory va dire que j'ai encore triché parce que oui, j'ai fait quelques essais avant, comme d'hab. Alors que moi, il y a 10 minutes, ma figurine n'était même pas sous couchée. C'est quoi. Pas faux. Donc voilà le genre de rendu que de mon côté vous pourrez voir. D'accord. Bah moi, j'ai même pas de quoi montrer pour le rendu, donc ça va être à la One Again Beast to Fly. Allez, t'en as déjà peint quelques-uns des peaux vertes. J'en ai peint quelques-uns, ouais. J'avais une bande de Gretchen pour Gorkamorka, que j'ai peint, c'était en 2011. Ça commence à dater, mine de rien. C'était hier. C'était hier. C'était en 2011. Donc sur ma page, pour Orktober, je mets une photo d'Ork par jour, en l'occurrence c'est des Gretchen, le Grottober. Le Grottober. Donc voilà, c'est Fionn que j'ai peint à l'époque. J'avais fait un tuto à l'époque qui est sur le blog, que vous pouvez retrouver. Là, je pense que je vais tester autre chose. Peut-être justement aller sur quelque chose comme tu fais toi, plus... Ah, freestyle de ouf. Ah, freestyle de ouf. Moi, je suis comme ça. Tu veux me piquer mes peaux pendant qu'il y est ou... Non, j'ai les mêmes. Non, mais voilà, je pense que ouais, partir sur quelque chose de plus péchu, parce que je faisais un vert très délavé qui était sur une base de beige avec lavis vert, puis éclairci à l'aile flèche, donc qui était quelque chose de très pâle en fait. Et là, je pense que je vais essayer de partir sur quelque chose de plus flashy. Et justement, je vois tes peaux et je comptais partir exactement sur la même chose. Oui, effectivement, je vois que tu as les mêmes. Bon, vous aurez un double tuto. Ouais, et à voir alors selon le temps, parce que effectivement, t'as une technique plus poussée que ce que moi je vais faire. J'ai des techniques plus simples et plus rapides. Tu peux dire plus lentes. Non, moi elles sont plus rapides. Oui, non, mais la mienne. Oui, la tienne est plus lente. Mais le résultat est clairement plus beaucoup long. Mieux aussi. Je vais essayer d'être rapide ce soir. Ouais. Donc on va voir. Peut-être que le temps que t'en fasses un, je vais tester d'autres trucs parce que j'ai aussi des... Voilà, j'ai un truc en tête sur base de nécrotique flèche, donc on verra selon le temps si je le fais ce soir ou si ce sera un autre tuto. C'est vrai que vous n'avez pas les coulisses, mais moi c'est flippant, quoi. J'en ai amené une et Grégory qu'on a 5. Donc bon, ouais, mais après, il y a du challenge, quoi. Je vais me dépêcher. Par exemple, niveau de rendu, ça c'est un orc que j'ai fait en quelques minutes, quoi. Oui. Ouais, c'est rapide comme peinture, c'est efficace, mais c'est jouable aussi. C'est beaucoup moins beau que ta figurine. Bah, pour info, celui-là, c'était en tout, je crois... il a dû faire 3 heures, celui-là. Commencer chez Kenny. Ouais. Donc on a bien discuté entre-temps, mais je pense qu'en tout, ça va être 3 heures et je dirais une heure sur la peau. Donc ça peut sembler beaucoup sur un si petit truc. Mais pour toi, c'est pas trop. Mais pour moi, c'est rien.
Alors, moi pour commencer, je pense que je vais partir sur une base de Elemental Bolt de Army Painter. Et moi, ce sera du Warpstone Glow chez Citadel. Puis ensuite, on va voir un peu ce que ça donne, mais un petit assombrissement au Scurvy Green. Et pour moi, ce sera un gros lavis crado de Soelia Greenshade. Et je prendrai aussi un peu de Scurvy Green. Si jamais j'ai un peu bavouillé effet des auréoles, ça me permettra de retoucher, de peaufiner. Ouais. Et je pense que j'aurais peut-être un petit coup de purple tone, moi, dans les ombres. Voilà. Hop. Alors moi après ce sera sûrement éclaircissement avec du mout. Oh bah merde, j'ai le même. C'est pas grave. Ouais, On pourra voir. Et puis les derniers points de lumière, ce sera ça. Un peu de blanc cassé. Enfin, c'est une sorte d'ivoire. Et moi, les nuances seront pas violettes, mais ce sera du Evilson Scarlet. d'accord. Bah c'est parti, on fait que la peau là sur ce petit Gretchen de la boîte V2 Tout à fait. de Warhammer 40 000. Sorti tout droit des entrailles de l'antre de Grégoric. Merci à lui pour cette belle trouvaille. Bah de rien, merci à toi pour l'idée et le défi là-dessus. Parce que c'est vrai que ces trucs sont là depuis un certain temps et Eh bah ben, écoute, ne faisaient plus rien. il Donc dormait. voilà, ils dormaient, ils attendaient le bon moment. Eh bah, me voilà. Allez, c'est parti. Go. Alors, tu pars sur quoi comme pinceau toi pour faire les bases? Bah, en fait, je fais tout avec le même, mais c'est pas bien. Ouais, T'as un double zéro, quoi, sans déconner. Non, mais tu m'étonnes, je suis lent. J'allais dire, je vais prendre celui-là, il est plus gros, mais c'est un double zéro aussi. je vais prendre un taille 1, donc c'est du Raphaël 8404. C'est la gamme qui est prévue pour l'aquarelle, mais qui est très bien en fait pour la peinture acrylique, pour la peinture de figurines, surtout quand on va faire des choses très diluées. En fait, c'est un pinceau qui a un gros réservoir, vous voyez la longueur des poils, et qui a une très bonne tenue et une pointe vraiment fine, quoi. Tout à fait. Je plus soi. Bah, j'ai le même hein, que Grégoric. Alors moi c'est un double zéro. Là je crois que j'ai été un peu fin quand même pour ce soir. J'aurais dû prendre un peu plus gros, mais on va faire avec. La figurine est petite, mais je risque d'être un peu plus lent. Ça me fait déjà une première excuse. Ça commence. Allez, dilution, une goutte de peinture, une goutte d'eau, à peu près. T'as dilué un peu ou... Oh ouais, je dilue un peu. Alors, moi, j'apporte pas d'eau directement dans ma peinture. Je commence par mouiller mon pinceau. J'enlève l'excédent sur un sopalin et je viens en fait tirer la peinture dans ma palette. Et en fait, l'eau qui restait dans le pinceau s'ajoute petit à petit. Et comme ça, je contrôle ma dilution. Après, je suis aussi sur une palette sèche. Alors, moi, je n'utilise pas de palette humide. Parce que cette technique en palette humide, ça ne sert à rien. Je ne commenterai pas. Non, C'est une attaque personnelle et basse. non, non, j'explique pourquoi je ne fais pas de palette humide. Bon, c'est palette humide 100% du temps. Bon, on est à Strasbourg, il fait moins 15 aujourd'hui. Donc il fait le mariole avec sa palette sèche. C'est vrai, quand il fait très chaud, ça sèche vite. Des fois, je cède à la tentation de la palette humide, mais c'est assez rare. Déjà, c'est contraignant à mettre en place. C'est chiant. Oh. Putain, faut aller chercher le papier cuisson dans la cuisine, quoi. Papier Mets-le dans cuisson, ton c'est fait salon pour les sinon. gâteaux. Non, mais j'ai déjà trop d'ustensiles de cuisine ou salle de bain qui sont dans mon salon plutôt qu'à leur place dans la cuisine ou la salle de bain. L'acheter en doublon. Ouais. Mais c'est que tu parlais du sèche-cheveux tout à l'heure. Donc chez moi, on dit pas sèche-cheveux, on dit sèche-figurine, parce que Il sert vraiment qu'à ça. il sert aux figurines, il sert pas de sécher les cheveux. Et je n'ai pas de sèche-cheveux. D'accord. De temps en temps, ma femme me demande si elle peut emprunter mon sèche-figurine. Et tu dis non. Bah si, Bah, j'autorise. comme tu es sympathique. Je suis bon et prévenant. Ah, il va être un peu pétant ce gobelin là. Ah oui. J'aime beaucoup cette couleur-là, Elemental Bolt. C'est une couleur que j'ai découvert assez récemment, justement, par l'entrefait de Tiny Iron Boy. Et je suis tombé super fan de cette couleur. À tel point que des gens sont persuadés que je mets du turquoise dans toutes mes peintures. Qui est vrai. Bah, ce qui est récent, surtout. Je pense que comme toi, le but du jeu, c'est de faire deux couches fines plutôt qu'une couche épaisse. Too thin coat. Yes. Ouais,
pense que tous ceux qui regardent un peu des tutos sur internet connaissent la technique. Donc là, une première couche, on va sécher vite fait avec le sèche figurine, attention. Et puis on reviendra pour la deuxième couche. Bah, t'as été plus rapide que moi, du coup, il me reste une main à faire. Bah alors. Ah non, mais c'est que je l'ai pas fait. En fait, je l'ai commencé, mais là, il reste des doigts quand même. Fais gaffe, t'es un petit peu hors champ. Hop là, j'ai glissé. Ah, le mec, putain, il est plus rapide que moi pour la couche de base. Ouais, parce qu'il a pas tout peint. Non, mais là, on a dit que c'était de la Normal. figurine de jeu, hein. Ce qui ne se voit pas, ça compte pas. Enfin, là, ça se voit quand même. Oh, elle est un peu cachée quand même. Est-ce qu'il faut peindre le dos des figurines de jeu? Ah bah c'est toi qui les vois alors. C'est pas faux. Est-ce qu'il faut peindre que le dos du coup des figurines de jeu? Est-ce que tu peins pour toi ou est-ce que tu peins pour Ah ouais, le tes dilemme. adversaires? Bah du coup, dans le doute, je l'ai peint en entier. Je peins Allez. aussi le dessous. Oh. Tandis que Wally approuve. Non, ça c'est Ah, Bou. c'est bon. Oh, alors. Ah, Bou, c'est la starlette, hein. Les gens qui suivent la chaîne l'ont déjà vu plusieurs fois à l'écran. Hein. C'est elle qui monte sur la table pendant les présentations de jeux. C'est elle qui squatte pendant les lives. Donc, elle a aucun souci avec la caméra. Au contraire. Bon, elle a jamais rien fait tomber. Non, non, non. Tu sais que dans. Alors, j'ai plus. J'avais une vitrine à porte coulissante avant. Et elle savait ouvrir la porte et elle allait se coucher dedans. Ah ouais, quand même. Et tu vois, sur des étagères qui étaient remplies de Non, mais figurines, je vois bien le cauchemar. elle n'en pétait pas une seule. C'est vrai? Ouais. C'était assez incroyable. Bon, par contre, elles étaient toutes bien velues, je pense, à la Ah fin. bah, velu, ouais. Ça, c'est. Ouais, voilà, moi j'ai fini ma couche de base. Tu fais quoi, toi? Ah bah du coup je mets une deuxième couche en t'attendant. Ah, tu mets la deuxième couche? Je croyais que t'attendais le Ah sèche-cheveux. bah non mais tu traînes. À Allez, un coup de sèche-cheveux. coup de sèche-cheveux. Alors, c'est bon, t'as fini ta première couche? Et bah allez. T'as bien tout peint? Maintenant T'as oui. pas oublié de. Je n'ai rien oublié. T'as vu qu'il a un bras gauche aussi? Ouh, non c'est bon. Allez, donc effectivement, on va passer une deuxième couche hein, pour avoir un rendu propre et uniforme. Oula, j'ai mis un petit peu trop d'eau sur mon pinceau. Vous voyez, le but c'est de bien bien tirer la peinture, éviter de faire des taches. Donc on étale au maximum comme quand on fait un mur à la maison. Moi, je galère la peinture murale. C'est même avec un Raphaël taille 2, c'est long quoi. C'est sûr. Je sais même pas s'ils font plus gros en Raphaël. Si, ils vont jusqu'à 6. Ah, non, quand Justement, même. dans le petit tuto que j'avais fait il y a quelques années pour les Gretchen, je peignais. Il y avait 70% du tuto qui était fait avec un taille 6. Sur un Gretchen, Ouais. là où j'ai un double zéro aujourd'hui, ah C'est oui. ça. Après, j'avais pas la même qualité de peinture qu'aujourd'hui. Ah bon? Mais je peignais beaucoup plus vite par contre. Ah bah tu m'étonnes. Hein. Trois coups de pinceau, il est plié. Bah, c'est surtout comme je travaillais sur des couches très. Bon, c'était plus du badigeonnage que du lavis, quoi, mais. Couches très fines et très diluées de peinture, mais sur l'ensemble de la pièce. Ah Donc oui. c'est vrai qu'un pinceau taille 6, c'était bien, quoi. Ah, c'est pratique. Et puis en même temps, c'était les Gretchen, bah, comme celui que tu as montré au début, ils sont presque à poil, quoi. Donc, 90% de la figurine, c'est de la Aïe. peau, donc une fois que tu as traité la peau, il ne reste plus que les détails à faire, quoi. Là, celui-là, tu vois, je vois déjà qu'une fois qu'on aura traité la peau, bah, il restera quand même des vêtements, et le flingue, et le casque. Mais c'est tout l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir faire plein de tutos différents du Plein de coup. tutos. Et comme on sort un tuto tous les 6 mois environ, avec une figurine, on peut Bah tenir ouais, oh, on est bien 4 jusqu'en 2020 à peu près. Alors, si vous voulez qu'on fasse des tutos comme ça en double cam plus régulièrement, bah, mettez un pouce. Un petit pouce bleu, ça fera plaisir, vers le haut de préférence. Et voilà, n'hésitez pas dans les commentaires à encourager Dim à venir plus souvent à la maison. Ah, c'est beau. Il faut faire un petit peu de pub, quoi, tu vois. Je comprends. Faire participer le spectateur, c'est important. J'étais en train de t'attendre et de poireauter, mais en fait, non, j'ai encore oublié le bout de la main. Moi, je viens de finir, perso. Ah putain! Bon, donc tout le monde a vu que je glandais depuis 20 secondes. Hop! Allez, ni vu ni connu. Allez, sèche-cheveux!
Ouais, mais je pense que la teinte peut être vraiment intéressante, justement, Ah changer. ben, non mais carrément. Donc là, voilà, je vais faire un ombrage au Scurvy Green, dans lequel je vais mettre du Lamia Medium, en fait, pour pouvoir le diluer sans perdre la force de comment on dit? C'est pas d'attraction, tu sais, c'est Cohérence, non, c'est pas cohérence. cohérence, Tu sais, c'est ouais, non, mais je les vois pigments bien. qui sont liés, tu vois, Voilà, la de force de liaison. liaison. Voilà, parce que si vous diluez trop votre peinture, vous allez avoir des petites taches qui vont se former. En fait, c'est les pigments qui s'écartent les uns des autres parce que vous avez cassé le liant. Donc voilà, mettre un petit peu de médium dedans, ça permet de garder le pouvoir liant. Et moi, je vais y aller directement avec un shade. Donc, il y a ce fameux pouvoir liant. C'est assez épais, c'est un peu grassouillé et ça va tout seul aller se mettre dans les ombres. Alors, je vais y aller un peu à la bourrin. Moi, je vais vraiment badigeonner de partout et je retoucherai s'il y a des boulettes à droite à gauche. Moi, je pense que je vais essayer d'y aller doucement. J'hésitais entre y aller bourrin ou quoi. Mais vu ma couleur de base qui est quand même très bleutée, j'ai envie de garder et voilà, pour pas avoir à tout repasser par la suite. Je vais essayer d'y aller plus en finesse là. Donc, tu vas peut-être être en avance sur moi Ah bah, sur cette phase. je vais me faire un petit café. Rigole, rigole, on en reparle dans 5 minutes. Oui, je pense. Oui, parce que après, moi, j'aurai tout à rattraper, par contre, alors que toi, tu seras les pieds en éventail. C'est ça. Donc là, c'est vrai que l'avantage, c'est qu'à cette étape, je réfléchis pas, quoi. Je blinde le pinceau et je viens tapoter en forçant le shade à aller se caler dans les creux. Alors faites gaffe aux tout petits détails comme les dents et les yeux. Si vous êtes un peu trop épais, vous allez quand même les recouvrir un peu. Là, j'ai un petit peu débordé sur un endroit où je voudrais garder la lumière, donc juste en passant un petit coup comme ça avec le doigt, je retire en fait mon lavis. Ça évite. Il faut le faire tout de suite, hein, sinon ça sèche et vous avez une trace. Mais comme ça, j'arrive à garder ma couleur. Bon, on n'oublie pas les oreilles, parce que ça fait déjà 3 fois que je les oublie. N'oublie pas le bras gauche aussi. Mais je le fais pas, le bras Ça gauche. sera Y a pas besoin. pour un prochain tuto, le bras gauche. Vrai qu'on aurait pu faire par bras, un bras droit, Oh, un bras gauche. t'exagères. Elles sont rapides, ces petites filles. Puis elles sont jolies, j'aime bien. Je suis dans ma période old school là en ce moment. Le vintage comme ça, C'est ça. ça. Putain, je déborde plus que quand je faisais ma couche de base. Je fais un peu le porcasse. Ouais, le vintage, ça a un petit côté marrant quand même. J'avoue que moi, il y a un truc qui me séduit vraiment dans les vieilles figurines de Games, c'est l'humour sous-jacent. Je trouve que les figurines actuelles sont trop, se prennent trop au sérieux. Je sais pas ce que t'en penses. Alors, je comprends, hein. Et j'avoue que c'est vrai que ça, c'est bien délire. Le tout petit machin avec le gros pétoir, je sais pas s'il y a encore des figurines comme ça maintenant. C'est un peu plus timoré. Ouais, puis les Gretchen avec les orques actuellement, ils sont plus en mode esclave ou truc comme Ouais. ça. Et tu vois, il y a moins de drôle dans le. J'ai des Gretchen métal de cette époque et qui sont à mourir de rire. Oui, je Tu vois vois, avec bien. le moulin à café, le Non, j'en ai vu minuteur des à ouf, ouais, œufs. Enfin, clairement. ils ont des trucs, mais tu fais, mais pourquoi ils ont ces accessoires? C'est juste trop drôle. Et voilà. T'as fini? Sèche-serviette? Ah, sèche. Non, je sèche figurine. Allez, sèche figurine, c'est parti. Et moi, je me sens un petit peu foufou. Je vais passer au red tone dans les creux pour foncer, contraster vraiment beaucoup. Voilà, du rouge sur du vert, ça va bien contraster. Et après, je reviendrai justement avec mon Scurvy Green pour affiner le. Bah moi je vais juste refaire un petit ombrage. Alors celui-là je vais être un peu moins bourrin. Je vais essayer quand même de le concentrer uniquement dans les zones les plus profondes. Essayer hein, la figurine est petite. Bon, au pire si ça déborde, c'est pas dramatique. De toute façon, je vais reprendre avec la couche de base tout de suite après.
Là, on voit bien le. Quand j'ajoute le rouge, hein, tout de suite, les creux se détachent très très vite. Hein. Ça contraste vraiment bien. De toute façon, c'est la théorie du cercle chromatique. Hein. Un J'espère que peu de tu. rouge dans le vert. C'est vrai que ça marche toujours. Tu utilises beaucoup, toi, le cercle chromatique, justement, quand tu fais des. Ou alors c'est assez instinctif, tu mets tes couleurs. Non, mais c'est vrai que j'ai l'impression que je me pose moins de questions qu'avant. Avant, j'avais tendance à toujours chercher la complémentaire, le truc, la théorie, ce qui marchait mieux. Et puis maintenant, souvent, je teste directement sur la figurine et je regarde si ça marche. Et puis si ça marche pas, je mets autre chose. Mais c'est vrai que Est-ce vert que plus tu rouge, décapes si ça marche pas? non, c'est faux, je ne décape plus. Tu as arrêté? Bon, j'en ai décapé 10 ce matin, mais. Mais c'est en est que t'avais pas peinte. Non, c'était un goût Voilà. d'occasion, ça compte pas. C'est bon, ça compte pas. Voilà. Après, on a aussi, ouais, au fil du temps, chacun prend ses recettes qui marchent bien. Et là où Grégory va mettre pas mal de rouge dans les ombres, moi je vais en mettre juste un petit peu en nuance, mais je vais en mettre aussi, parce que vert plus rouge, clairement, ça fonctionne. Ouais, les oreilles, je sais pas, je veux pas. T'as pu les couper, hein, tu sais, un Allez. casque fermé, ça fait moins à peindre. J'aurais pu mettre une cagoule aussi. Ça faisait bien, c'était deux bras. Et puis j'ai mis des gants. Le Alors pour la peau, on va faire juste le nez qui nez, dépasse. voilà. Et voilà, c'était bien. C'est vrai qu'il a un tout petit nez sur celui-là, il y Ouais. avait un grand nez, donc Ouais. j'avais pu m'amuser avec les nuances de rouge. Celui-là, ça serait un peu plus compliqué. Ça sèche ou. Ah Ah non. oui, ça sèche. Bon, j'attends gentiment Tu m'attends, mon tu m'étonnes. camarade. Voilà. Alors, bah moi, à cette étape, je commence à changer de taille de pinceau. Cela, le taille 1 devient un petit peu encombrant. Alors moi je Donc, vais je pas changer de partirai. taille Parce que, de toute façon. parce que j'ai pris deux double zéro, mais je prends celui qui est un peu plus neuf quand même, avec une pointe vachement plus jolie pour commencer à être plus précis. Celui-là, je me suis marqué, il y a une petite marque au dos, c'est gris, c'est celui qui me sert à sortir la peinture de mes peaux. Il est bien fatigué. Voilà, moi je vais rééclaircir là donc toujours avec mon Elemental Bolt. Et moi, ben, pareil, je vais commencer à reprendre toutes les zones de lumière avec mon Warp Stone Glow. Bon, ça va, j'ai pas fait de grosses auréoles ni de grosses bavouilles. Donc, lumière zénitale, on n'a pas trop à réfléchir, on met sous la lampe et puis on regarde où ça tape. Donc, ça tape bien sur les doigts. On va bien prendre la lumière sur le haut du coude. Le nez prend bien la lumière, on a les petites pommettes, on a la lèvre supérieure, on a les oreilles évidemment. Et puis derrière, on aura cette petite zone là, et puis les doigts. Donc il n'y a plus qu'à. Alors je vais pas trop diluer. Pour une peinture un peu expo concours, j'aurais tendance à déjà bien diluer pour faire un dégradé. Enfin, début de dégradé, là non, le but c'est pas trop diluer, juste je repose du vert bien saturé sur les zones qui vont prendre de la lumière. J'essaie de rester dans le champ. Ça peut aider. Donc vous verrez, je vais sûrement passer 2, 3, peut-être même 4 fois au même endroit, jusqu'à avoir un vert de nouveau bien bien saturé. Et puis Donc c'est la partie qui va être assez voilà, longue là c'est chez là que ça toi. va commencer à être un petit peu long. Parce que moi j'ai fini. Oh, tu bluffes! C'est pas possible! Ben, j'ai fini de rééclaircir avec ça. Donc maintenant je vais partir. Je sais pas si. J'hésite. Allez, si, on avait dit qu'on faisait ça, on va partir là-dessus. Ça se trouve, je vais me rater comme ça, directement, tu vois, tout filmer. Toi, tu l'as préparé, donc tu sais où tu vas. Moi, j'y vais à l'aveugle. Préparer, préparer. Ah oui, du coup, tu vas mettre ce. Ah oui! C'est couillu! Je sais pas. C'est couillu, J'hésite couillu! entre ça, l'éclaircir comme ça, avec un vert classique, la moon green, ou le travailler comme du bleu, l'éclaircir comme du bleu.
et venir mettre des tons rosaces, genre la lèvre et le bout du nez en rose, tu vois, en rose pâle. Ce serait que de moi, je te dirais solution 2. Ouais, ça me fait envie, hein. C'est moins Après, cru. on va dire que je fais toujours du turquoise, quoi. C'est vrai. Mais bon, si t'aimes ça. Bah, c'est pas que j'aime ça, c'est que le turquoise vient naturellement à moi. C'est le turquoise qui t'aime, c'est pour toi C'est qu'il aime. ça, exactement. Donc on va mettre du Barrot Blue Game Edge de Games Workshop que je vais mélanger avec mon reste d'Elemental Bolt. Donc ça me fait une espèce de gris verdâtre. Et ce gris, je l'éclaircirai au fur et à mesure avec de l'ivoire. Oui, là on a bien récupéré le Warpstone Glow, bien saturé sur le coude, donc ça me suffit. On va attaquer sa petite bouille. Sont pas compliquées, mais elles sont bien détaillées quand même. Tu vois, ils ont fait, il y a quand même plein de petites rides, plein de textures sur les Ouais, lèvres, sur le elles sont bien nez. sympas. Hein. C'est vrai que tu passes le pinceau, ça va tout seul. Ça s'accroche tout seul, c'est bien. Est-ce que c'est ça le charme des figurines vintage? Ouais, ça aussi. Des gravures profondes, un petit peu grossières, mais pas trop. Bah, c'est vrai que du coup, là, j'en ai peint quelques-uns cette semaine de la boîte actuelle des Gretchen. C'est la peau est vraiment ultra lisse, quoi. C'est. Tu cherches les petites rides. L'avantage de la boîte actuelle, c'est qu'ils sont tous différents par contre. Là, de mémoire, des comme ça, t'en avais quoi, 20, 30 dans la boîte de base? C'était 20 Je fois le sais plus même. combien il y en avait, mais ouais, il y a un seul modèle existant. Ah, ça appelle à la conversion. Un peu compliqué à convertir, je Ah, pense, c'est cette vrai. pièce, hein, parce qu'il y a pas. C'est assez monobloc, hein, bah, les figurines d'époque, de toute façon. À part lui virer son pétoir là. Bah, puis même, lui, à son pétoir, il est quand même collé au torse, quoi. Donc. Puis tu le vires pour mettre quoi? Pour un autre pétoir? Tu peux Tu lui changer les casques? enlèves les mains, de toute façon, moi je l'ai peint pour. Bon, bah. On va prendre du Barrot pur. Prends ton temps. Bah, c'est ce que je fais, hein. Si j'étais en speed painting, j'irais beaucoup plus Prends-en un deuxième. vite. C'est prévu. J'ai envie de tester un truc un peu graphique. En fait, justement par rapport à la théorie des couleurs dont on parlait, il y a un truc de couleur que j'ai envie de tester, on va voir juste après, sur une figurine assez verdâtre à la base, mais très désaturée, et partir directement au violet. Ah ouais. Ouais. Ça se trouve, c'est nul, mais j'ai ça en tête. Écoute, c'est le soir pour le tenter. Ouais. C'est le mois des orques. Tu en as 5 devant toi. Prévu. Hop. Là sur la lèvre justement, je vais profiter de ces petites rides et je vais faire des petits. Bah, je vais accentuer ces rides en fait, faire des petites lignes avec le Barrot Blue pour dessiner vraiment son sourire, quoi. Et je fais pareil sur la lèvre en dessous, des petites lignes comme ça. On va faire un gros plan là pour montrer un peu. Voilà. Pas de bien éclaircir les oreilles, parce que c'est ce qui est le plus sous la lumière. Je vais éclaircir que les deux premières phalanges, le bord du biceps et le pouce et le biceps à l'arrière. T'en es Hop, déjà je au suis là. deuxième éclaircissement, c'est ça? Ouais. Pas trop mal le Barrot Blue. On va rajouter un petit peu d'ivoire. On
Bon, c'est là que vous voyez tout l'intérêt de ne pas faire un gros lavis de cochon. C'est vrai que c'est, c'est que c'est vite fait, mais ma derrière... partie a été rapide à reprendre en fait avec la couleur de base, hein, parce que j'avais pas grand chose à retoucher, quoi, parce que j'avais bien fait proprement. Alors je suis, tu sais, des fois moi je suis partisan aussi du gros truc qui tâche pour ensuite. Il y a des périodes comme ça, surtout quand je peins à la chaîne, il y a des trucs que tu préfères le faire en gros sur 20 fils de suite, Ah et puis oui. te dire ça séchera, et puis demain je serai en meilleure forme et je le ferai correctement. Mais là, bon, il y a du niveau, là. Il faut que j'arrive à faire un truc qui tienne la comparaison avec le tien, quoi. Donc je vais pas pouvoir en faire 20 pendant que... Oh, t'en feras que 15. Là, comme j'en ai sous-couché que 5... Ouais, remarque, j'ai peut-être le temps d'aller sous-coucher avant que t'aies fini. Bah bravo. On commence à être pas mal. On va pouvoir attaquer l'étape d'après. Bon, il y a le dessous de la main là. Hop. Je vais faire T'as fait vite la main? fait. Ouais, mais vite fait. Je sais que je suis pas très rapide. Donc je me dis que de toute façon, si je veux pas y passer 107 heures, va falloir faire quelques impasses. Mais Tant de toute qu'à faire une façon, impasse, autant faire une impasse sur la main qui est cachée dessous plutôt que sur le visage. Mais je vais le faire un peu quand même. Oui, parce que je vous connais, vous allez la retourner tout de suite. Ah, le arnaqueur. dessous, il est pas fait. Une des premières figurines que j'avais ramenées au Vendredi de la Figue, c'est le coup que tu m'as fait quand même. Ah bon? T'as retourné, c'était la princesse de Conan. Où j'avais essayé un traitement de voile transparent sur sa cape. Tu l'as retourné, t'as regardé sous le socle, t'as fait, bah t'as peint pas le socle, t'as pas peint le socle. Oh. C'est Bon, c'est du bluff, c'est pas moi qui ai pu faire ça. pas du tout ton genre. Pardon. Ah, c'est pas mal comme ça, je suis assez content. Alors, je vais partir en quête d'un petit rose pour venir faire ça. Moi, j'adore cette couleur. Super fan du Warlord Purple de Game Color Valero. Un truc bien flashy, mais en le diluant bien et en le mélangeant avec de l'ivoire, on va pouvoir avoir un petit rose pas piqué des hannetons. Ouais, purée, il pique, vu d'ici. Vous voyez, hein, je le dilue bien, bien, bien. Peut-être mettre même un peu d'eau sur le pinceau. J'hésite pas à porter le pinceau à ma bouche, hein, pour gérer en fait la quantité d'eau encore sur la pointe. Et là, je vais venir faire des glacis successifs sur la lèvre pour rosir la lèvre. Moi, je suis fan des peintures de Paul Bonheur Ah oui. Ah bah t'es bien dans ces et teintes-là. voilà donc j'avoue que ces petites lèvres fuchsia sur une teinte vert froid moi j'aime bien oh, ce sourire enjôleur. Bon bah moi je vais essayer de rattraper un peu mon retard et commencer à rééclaircir avec du mood green. Prends ton temps, si je dois attendre, je ferai une autre pièce. Ça va se voir si tu recommences à zéro. Après, je peux la faire tomber sur ta palette aussi. La mienne ou la tienne? Ah, la tienne. Ah oui, d'accord. Quitte à te faire perdre du temps. Bien quoi. Le gars, dès qu'il y a de la concurrence, ça y est, quoi. Dès qu'il se sent menacé. Ça devient moche. Tu vois, j'aurais peut-être pas osé faire ces teintes. Tu m'as été d'une bonne, d'un bon conseil. À la noter. Toujours noter les recettes. Ah bah là, elle est notée, elle est enregistrée. Alors depuis tout à l'heure, je fais beaucoup de coups de pinceau comme ça, du coup, il y a une démarcation qui est pas très jolie et qui est apparue, donc quand ça arrive, ça faut pas hésiter à croiser les couches
avec une ou deux couches perpendiculaires et bien diluées, normalement ça doit disparaître tout seul. Bon, je pinaille hein, comme d'habitude, mais je pense que ouais, mais c'est en pinaillant que tu as le résultat que tu as. C'est pas faux. Et que j'y passe beaucoup de temps. Ça, c'est une autre histoire. Hein. En fait, déjà, si tu oubliais pas la moitié des éléments en cours de route. Oh, la moitié. Un bah. Petit tir. C'est quoi? Un bras et deux oreilles sur une figurine où on voit deux bras et une tête? Les oreilles étaient bien cachées quand même. Oh bah oui, oui, juste en évidence de chaque côté du casque. Bah, j'ai cru que c'était le casque. Bon, bah, je vais faire les oreilles pendant que Grégory me le rappelle. Comme ça, t'avais déjà oublié, c'est ça? Ouais, on peut vite passer à travers. Donc là, juste le dessus, hop, je viens tapoter sur le bord comme ça pour les texturer un petit peu. Et elles vont prendre un gros lavis de rouge à la fin. Hop, une. Je pense que je suis sorti. Ah non. On va renforcer un petit peu le violet de la lèvre. Bon, on n'a pas vu que j'avais écrasé une grosse tache de verre sur le casque. C'est pas grave. Oh, moi j'ai débordé, je m'en fous. Alors normalement, je fais jamais ça. Hein. Je termine jamais une zone avant d'avoir basé entièrement la figurine. C'est vrai que là, j'aurais dû poser toutes les couleurs avant. Ouais, mais du coup, avant de faire la peau. Mais c'était plus le projet qu'on avait. Voilà. Et là, je vous ai parlé du Scurvy Green tout à l'heure. Pour l'instant, j'en ai pas utilisé. Hop. Je vais en mettre là où les ombres me semblent pas assez profondes. Donc là, un petit coup, hop, derrière les oreilles. Hop. Ça permet aussi de lisser le dégradé quand il est pas super joli. Hop là. Bon, ça commence à apparaître. Là, on voit bien la zone éclairée avec le mood green. Alors avec le mood green, soit vous voulez une peau vraiment très claire et vous y allez encore, soit on peut s'arrêter là pour garder un maximum de Warpstone glow visible. Alors, on vous remettra la photo des 4 petits que j'ai fait pour ma kill team. Il y a un peu de tout, il y en a où je suis allé assez loin avec le moot, d'autres où je me suis arrêté plus tôt. Du coup, ça vous fait des variations de peau, c'est pas désagréable. C'est la même recette, la seule variation c'est la zone de moot green. Ça marche encore ta recette ou? Ah bah ouais, c'est ou t'es en train de rattraper discrètement. Ah non, c'est là je disais rien parce que t'étais en train d'expliquer. Mais là du coup je viens d'ajouter de l'ivoire à mon fuchsia et je suis en train de reprendre les parties les plus anguleuses, donc le bout du nez. J'ai fait des petites lignes sur les lèvres, là je fais un petit zoom pour qu'on voit bien. Voilà, j'ai fait des petites lignes comme ça en rose clair sur le contour des lèvres. Et je vais venir reprendre maintenant les jonctions des. Enfin les jonctions. Comment ça s'appelle? Juste la bosse des phalanges là. Les phalanges? C'est un nom, ça, non? Non, c'est la phalange, c'est ça, mais la bosse de l'articulation, là, c'est un nom. Ça c'est janvier. Après t'as février, t'as août. Voilà. Bon, comme vous le voyez, hein, je suis bien aidé. Alors si je pourrais m'acharner un petit peu et genre venir faire des teintes de turquoise, que ce soit vraiment turquoise, à certains endroits, venir apporter des nuances. Je pense que ça peut être très sympa. Allez, c'est parti. Allez. On va faire de l'hydrat turquoise, toujours chez Army Painter. Alors j'aime bien quand c'est sur une couche blanche et que c'est un travail principalement en lavis. J'aime beaucoup les peintures Army Painter parce qu'elles sont très fluides.
et se dilue très très bien. Par contre, quand c'est pour faire des bases sur une couche noire ou qu'il faut recouvrir quelque chose, là, bah, elles sont trop fluides. Sais pas ce que t'en penses. Ah, c'est pour ça que je les utilise pas beaucoup. J'avoue que je les trouve vraiment trop liquides. Enfin, c'est même pas trop liquide, c'est pas assez couvrant, quoi. Ah, mais du coup, je trouve qu'elles se diluent bien et même en les diluant beaucoup, elles perdent pas justement Ah, pour du lavis ou le du liant. glacis, c'est vrai qu'elle Ouais. fonctionne très bien. Ce qui est marrant, parce que tu pourrais te dire, bah, si c'est un fort pouvoir couvrant, il doit y avoir beaucoup de médium ou du pigment fort, ou je sais pas. Ouais, Et en fait, puis bah, bon. elles sont pas très couvrantes, mais du coup, Elles sont bien liées. ouais. Toi alors, t'en es où? Toujours avec mon mood green. Mais j'ai bientôt fini quand même. J'éclaircis encore. Il me reste le bras gauche. Donc juste la petite zone là qui prend la lumière. Ici. Bon, clairement cette zone-là, elle chope pas énormément de lumière, la pile sous la manche. Si vraiment on était un puriste, on dirait qu'il y a l'ombre portée de la manche, mais bon, toujours pareil. Je me dis que pour du jeu, il faut quand même bien définir les volumes, et que si je veux qu'on voit ce petit bras, il faut venir mettre une petite lumière là-haut. Je sais pas s'il a un ongle là ou si c'est la sculpture qui est bizarre. Il y a des endroits où la sculpture est un peu bizarre. Hein. Bah, C'est un petit creux aux là, joints de mais. moulure, là, ils sont un peu chelous. Faut pas oublier que c'est quand même des figurines qui datent de 92, 95, la V2. Tant que ça. Je sais plus. La V3 est sortie en 98. Moi, c'est à celle-là que j'ai commencé. C'est cette boîte-là, la toute première que j'ai vue et que j'ai tenue entre mes mains. Et que j'ai jamais pu acheter. Déjà à l'époque, ça coûtait une blinde. Et maman, ne trouvait pas ça très intéressant que j'investisse là-dedans. Ouais, ah, ça allait. Le Père Noël n'a pas trouvé ça très intéressant non plus. 20 ans de frustration. 20 ans de frustration à ce moment-là. Bah, ouais, du coup. Ah oui, c'était il y a 20 ans que tu voulais. Ouais. Je croyais qu'entre le moment où tu as découvert les figurines et le moment où tu as commencé, il s'est passé 20 ans. Tu vois, quand même. Bah écoute, non, il s'est passé 10 ans quand même. Parce que du coup, ça c'était quoi? 91, tu dis? 92, je crois. Ah, puis la Après, ouais, première boîte que faut... j'ai achetée, ça devait être 2000, ouais, 2002 peut-être. Ouais, quand même. Ouais, donc j'ai commencé avant toi, en fait. Ah, c'est bien possible. Parce que moi, c'était... Moi, c'est Warhammer qui m'a... Warhammer Battle, hein, qui m'a séduit. Et j'avais 11 ans, c'était en 1998. Ah ouais, non, bah je confirme, t'as commencé avant moi. Bah, quand on voit le résultat, je me dis merde, quoi. J'aurais pu commencer après, quoi. Bah, quand je vois tes vitrines archi pleines de figurines peintes et que moi je dois en avoir 10, oui, je me dis merde. Ouais, mais bon, il n'y a pas le... Moi, pendant longtemps aussi, je n'aimais pas peindre. Je prenais pas de plaisir à peindre. Donc je colorais mes figurines parce qu'il fallait qu'elles soient colorées pour pouvoir être jouées. Ça, je l'ai intégré très tôt. Que bah, si on choisit un loisir comme le jeu de figurines, c'est parce qu'il y a des figurines et qu'elles doivent être peintes. Ça se tient. Ça m'a... Ah, c'est un truc qui, tu vois, j'avais 11-12 ans, je me suis dit, bah, ouais, ça me fait chier, ça prend du temps, c'est long et tout, mais faut qu'elle soit peinte. Bon, on commence à être pas mal. On commence seulement? Oui, après 12 heures. Allez, vendu pour cette étape. Oh! Eh ouais! Bon, puis on va continuer à éclaircir avec ça, donc une sorte d'ivoire, un blanc cassé. Et je vais sortir en même temps le Evil Suns pour commencer à poser quelques nuances. Alors typiquement, si c'était une figurine vraiment poussée, là je me ferais un mélange de mood green et d'ivoire, à peu près moitié-moitié, puis un autre mélange sûrement avec plus d'ivoire que de mood green, là non. Pour faire des intermédiaires en Voilà, fait, pour faire c'est des ça? intermédiaires et des dégradés super propres, là, c'est fait pour être joué. Je vais y aller juste directement avec de l'ivoire.
je vais essayer de pousser un point de lumière, pas trop violent par ici. Enfin, vous allez voir, je vais juste poser un point de lumière que je viendrai recacher avec un petit glacis de mood green. Et je reposerai quelques points de lumière à la fin. Je trouve ça plus rapide que de passer par deux ou trois intermédiaires. Du coup, le point de lumière, il faut essayer de le mettre au bon endroit. Je me dis qu'ici, on est pas trop mal. Hop. Avec de l'ivoire un peu dilué. Je vais venir étaler la zone. Hein. Hop. Histoire de pas juste avoir un trait. Sinon, ça va faire du non métallique. Vert, c'est pas le but. Donc là, j'étale un petit peu la zone d'éclaircissement, hop, sur le haut, sur le bas. C'est trop classe des gratinants en NMM vert. Je peux le faire. Donc c'est pas très joli vu comme ça. C'est là que je vais reprendre un peu de mood green, bien dilué. Je vais venir passer sur cette zone. Un coup, deux coups. Donc on voit encore que cette zone elle a été éclaircie. C'est beaucoup moins violent. Et là je vais juste, avec un peu d'ivoire, mettre un ou deux petits points de lumière pour faire une peau un peu luisante, un peu transpirante. Miam miam. De gladiateur. Ah, j'ai l'image du Gretchen gladiateur là. Ah ouais, tu vois bien ouais. Le truc. Ah bah pas longtemps en tout cas. Parce que je vais s'imaginer un Gretchen, le temps de survie d'un Gretchen dans une arène. Ouais, je pense que c'est pour Jojo. Après ça dépend, s'il arrive à convaincre un mec que l'autre en face est plus balèze et qu'il faut s'en débarrasser avant. Ça se tient. Tu vois, je pense que c'est plus comme ça qu'il peut s'en sortir, le Gretchen. Voilà, pas plus. Un petit point de lumière. Et puis voilà. Allez, ben, y a plus qu'à faire ça de partout. Sur les phalanges. Alors, sur les phalanges, ça va être un peu différent. Je vais poser le point de lumière et je vais mettre le glacis. Pour le coup, ce sera un glacis de Devil Sun. Vous verrez, du coup, on va avoir des phalanges un peu rosées. Ça va apporter un peu de nuance. Hop. Il a bien débordé, là, le monsieur. Et c'est là que le Scurvy Green est bien pratique. Là où ça a bavé, hop 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 hop. Pour, en termes de couleurs utilisées, puisque la technique en fait va globalement rester la même, hein, c'est-à-dire passer ouais. Une couche de base bien uniforme sur toute la pièce, en choisissant une teinte moyenne qu'on va pouvoir assombrir par un lavis. Donc après, en assombrissant soit par badigeonnage. C'est-à-dire recouvrir entièrement la pièce, soit en ciblant tout de suite les creux, et puis ensuite on va venir retravailler notre teinte de base, là où c'est nécessaire, et venir éclaircir, puis apporter des nuances. Quoi. En théorie c'est toujours la même chose, mais c'est vrai que si on peut voir un petit peu des recettes différentes et toutes faites pour avoir différents rendus de peau, c'est effectivement sur mon Gretchen, je suis parti dans quelque chose de très turquoise bleuté, pas forcément ce que j'avais en tête au départ. Hop. On va sortir un peu des Wilsons. Là pour le coup c'est très 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 dilué. C'est de l'eau colorée que je viens tirer. Alors entre les phalanges dans un premier temps et puis je déborde un petit peu. Bon là j'ai été très 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 dilué. Ce bras est joli. Hein.
Je vais nuancer J'avoue qu'elles ont un quand même peu le coude. une sculpture qui fait que c'est facile à peindre. Dit-il après en avoir fait 10. Non mais vraiment la sculpture guide le pinceau, ça se fait un peu tout seul. Puis j'ai le mien. N'y aura pas le même rendu, hein, tu sais. Il sera terminé, mais. Non, j'avoue, à la base, on devait se faire un tuto peinture de peau verte en trois étapes. Comme la toute première vidéo qu'on avait fait, Comme le NMM qu'on avait fait. avec une facile, une Et intermédiaire, une puis. poussée. Ouais. Et justement, ça devait être sur les orques de Massive Darkness. Et puis c'est devenu, ah, oh, est-ce qu'on peut peindre un Gretchen de V2 et tout machin? Bon, oui, pourquoi pas. Ah, est-ce que on fait juste la peau? Ah, on n'en fait qu'un, juste la peau. Ah. Non mais ce soir, ce Sur soir on fait juste la peau. Mais la un prochaine seul. fois, il y aura tout. La prochaine fois, on fait tout d'un coup? Bah tout le tissu. Ah oui, d'accord, ouais, tu vois, tu segmentes au fur et à mesure. Tu sais, c'est comme ces théoriciens. C'est quoi? C'est le. Ah, oh, comment ça s'appelle? C'est pas le cheminement, la trajectoire quantique. Ah bon, alors Pour arriver d'un point A à un point B, il faut commencer par effectuer la moitié du chemin. là. Ah bah voilà. Et ensuite, il faut effectuer la moitié du chemin qui reste. Et ensuite, il faut effectuer la Ah moitié du ouais, chemin qui reste. non. Et ensuite, il faut effectuer la moitié du chemin qui reste. Et Non, ensuite, quand il faut même. effectuer la. Et du coup, tu peux jamais arriver au bout. C'est bon. Non, on poussera pas jusqu'à ce point. Non, mais la prochaine fois, un petit tissu. Ouais. Après le gun, et puis voilà, puis on Non, sera au je pense bout. qu'on a fait le tour. Attends, il y a quoi cette figurine? Il y a peau, tissu, métal. Voilà. Quand on va avoir différents tissus au contact les uns des autres, on va réussir à tout faire en une fois? Chaud. Chaud. Alors votez dans les commentaires quel tissu vous voulez nous voir traiter en premier. Est-ce que vous préférez que ce soit Après, on peut faire un petit cuir aussi. Les protections sur les côtés du casque ou le pantalon ou la chemise Ah, les protections, je pensais les faire en métal, ou le pagne je vois. Ouais, ou la chaussure ou... droite. Ah, j'aurais dit que les deux chaussures auraient pu être pareilles. Mais c'est vrai que Ah, remarque, comme c'est un petit c'est Gretchen, il peut avoir chaud. des chaussures différentes. Ou la ceinture. Est-ce qu'on fait la ceinture? Allez, moi je suis grand prince, je dis, on peut faire la ceinture et les pochettes qui sont accrochées dessus en même temps. Ça ira? Un gros challenge. Gros challenge, mais je pense que c'est faisable. Non? En deux soirs. Bon, j'ai fait la même chose sur le visage, vous voyez, un peu d'ivoire. Je viens le lisser avec un petit glacis. Attention, t'es très excentré. Hop T'es là. encore dans l'écran, mais. Il faut que je pense à me faire une petite marque. Sur les lèvres. T'as fait ta lèvre inférieure d'une couleur différente ou Hein? t'as fait sa lèvre inférieure différente ou tu es allé en vert J'ai rien compris. sa lèvre inférieure, tu l'as fait de la même couleur ou Ah, pas? moi, sur le petit, là, je l'ai fait Ouais. en rose. Lèvre inférieure. Ah ouais, rose rose. Ouais. Oh, ça lui va bien. T'as mis bien non plus. Ben oui. Mais tu crois pas que parce que je vais vite, c'est pas bien. C'est pas ce que j'ai dit. Tu espères que parce que je vais vite, c'est pas C'est bien. un peu ça. Non, là j'exagère. Je pourrais aller plus vite. Il faut que j'accélère. Allez, brossage. Et j'ai pas fait de brossage sur la figurine. C'est vrai. Toi, tu fais des petits points d'ivoire là, c'est ça? Ouais, des petits points et puis après je les recouvre avec un peu de mood green. Et puis je remets encore des tout petits points. Bon, du coup, c'est toujours un peu pareil, c'est un peu long, mais bon, ça prend forme.
pense que je vais lui faire les yeux aussi. Et puis je vais peut-être mettre un coup de noir autour du visage pour voir un peu ouais, pour te retrouver comment ça se démarque. Ouais. Alors, toi, tu es en train de faire les yeux, c'est ça? Alors là, je reprends les dents. Bah, c'est vrai que je pousse. Voilà, tu pousses les détails, quoi. Avant de mettre les derniers éclaircissements, j'aime bien avoir vraiment de la lisibilité sur la pièce. Et du coup, là, ces dents et ces yeux qui sont parfaits, bah, ça m'empêche de savoir si je suis allé assez loin dans les éclaircissements. Donc, je vais les faire. Alors, les dents, je vais juste les passer en noir. C'est histoire de marquer la bouche pour voir où est-ce que je vais poser les derniers points de lumière sur les lèvres. Et puis, je vais quand même faire les yeux pour voir si je suis allé assez loin. Donc, alors, quand tu fais des yeux sur des bestioles un peu inhumaines et fantastiques comme ça, tu fais de manière classique, blanc avec une pupille ou Non, là, j'avoue que c'est les yeux rouges en mode ultra classique. Donc avec du noir, c'est toujours pareil, je veux vraiment un max de lisibilité, donc j'assombris totalement l'orbite en noir. Je vais mettre un peu de rouge, de l'ivoire, de nouveau un peu de rouge et un point d'ivoire. Et dans 3 heures, on sera bien. Moi, je trouve que les yeux rouges, ça marche plutôt pas mal sur les orques. J'ai essayé pas mal de trucs, j'ai essayé du bleu, j'ai essayé du vert. J'aime bien en noir façon juste bestiole quoi, mais j'ai l'impression que ça ne voit pas beaucoup sur la table, donc je suis parti sur du rouge. Moi aussi je vais partir sur du rouge et un petit peu en tentant un petit effet luminescent. C'est très simple, c'est un truc que j'ai fait sur les zombies de zombicides. En fait je peins la pupille, surtout qu'en termes de sculpture, souvent la pupille, enfin l'œil est vraiment bombé, il est creusé autour et bombé, vraiment la partie. Et pour le coup, là, c'est particulièrement vrai, ils sont bien fichus. Et là, ouais, c'est bien, bien foutu. En fait, je peins ça dans un jaune très clair, c'est du Dorniello, voilà, qui est ici. Dorniello. Et ensuite, je vais mettre un petit coup de rouge dedans et. Je prends c'est Blood Letter Red, je crois, le Glaze Games Workshop. Je mets une petite goutte dedans, qui se répartit bien dans les creux et tout. Et qui va donner un petit côté rouge allumé, quoi. Et après, je reviens mettre soit un petit coup de blanc, soit d'ivoire, selon l'effet recherché. J'ai jamais utilisé les Glaze de Games. C'est quoi, c'est... Ben... En gros, ça va être à peu près comme un lavis, sauf que ça va être des couleurs très chatoyantes, là où les lavis sont un peu ternes et foncées. D'accord. Enfin, les wash Games Workshop sont ternes et foncées, je trouve. Là, c'est des couleurs plus chatoyantes. Alors, je sais pas exactement quelle est la recette, mais en fait, ça va être un truc, du coup, qui va teinter en restant translucide. Ok. C'est pour faire des glacis, hein. D'où le nom. Oui, voilà. Voilà, hop, les petits yeux jaunes qui ressortent bien. C'est pas la peine de peindre vraiment l'entièreté du globe à cette étape. Voilà, c'est vraiment des petits points jaunes. Et puis je vais venir mettre une goutte de Blood Letter qui est là. Voilà, Glaze Blood Letter. Sécher un petit peu pour pas avoir du cracra. Je vais faire les dents en attendant pour être sûr que ce soit bien sec, parce que si mon jaune n'est pas bien sec, ça va être dégueu, ça dommage et ça va être dur à rattraper. Pour les dents, je vais pas mettre de l'ivoire, je vais mettre du Screaming Skull pour avoir un truc un peu dégueu. Je pourrais presque rajouter du jaune dedans, mais on va pas pousser le vice quand même. Le mieux est l'ennemi du bien. Ah non, c'est pas à toi, c'est pas ta devise à toi. C'est pas ma devise à moi. The better is the never enough. Too much is never enough. Ah, oh, j'étais pas loin. Oh, putain. Je mets trois mots en anglais côte à côte, je suis pas loin. Bon, c'est là qu'il faut pas se foirer, juste le petit point d'ivoire au milieu de l'œil. Pendant ce temps, j'ai sorti un tout petit peu de Rhin Flesh. C'est comme de l'aile flèche. C'est une peau très claire.
pour apporter un tout petit peu de nuance rosée sur le bout de ce nez, là, que je tapote. C'est toujours pareil, hein, là vraiment je pinaille, mais bon. Mais c'est important. Je vais commencer à faire quelques nuances aussi avec les Wilson sur le bord de la lèvre. Alors je vais quand même la laisser un peu verte. Je vais juste tirer ça là-bas dans la commissure sur les bords. Oui, c'est pour le coup c'est en très très dilué, donc faut faire 2-3 passages pour que on commence à le voir. Le but c'est d'avoir quelque chose d'un peu rosé, il faut que le vert soit encore visible dessous. Donc si je mets juste de l'Evinces non dilué, je me retrouve avec une lèvre rouge, quoi. Alors que c'est pas le but, hein. Je veux un vert rougeâtre. Ou un rouge verdâtre. Un vert rougeâtre, c'est intéressant. Un rêtre. Ou un rouge. Hop, quelques petits points de lumière. Tout, tout. Avec l'ivoire directement. Voilà, avec l'ivoire, c'est vraiment juste quelques tout petits points que je vais essayer de venir caler sur les pommettes. Hop. Sur le bord de la lèvre. Bon, quand je referai les dents, il y a des chances que ça rippe. Donc, bon. Faire ça. Tapote juste et pour le coup, vu que la sculpture est bien faite, la peinture s'accroche toute seule là où il faut. Un petit point de lumière là aussi. Dernier petit filtre. De rouge dans les oreilles. Bon, moi maintenant que c'est bien sec, je vais revenir mettre une pointe de Dorniello dans les yeux. Vraiment un tout petit point moins que ce que j'avais mis la première fois. Hein. Qui m'embête là, je devrais pas. Le mieux est l'ennemi du bien. Là, c'est le moment où je fais un gros pâté blanc et toute la zone est à reprendre. C'est toujours un coup de poker quand on retouche une zone comme ça. C'était pas moche, on se dit allez, je retouche. Et on fait un truc moche. Ah, ça va. Je m'en tire. Moi, je viens faire la deuxième couche de vert olive sur l'autre Gretchen.
coup, tu auras fait un max de variété, ça. De quoi? Tu auras fait un max de variété, là, pour le coup. Ah bah attends, j'en ai fini un, et les autres, j'ai fait une couche. C'est pas encore fait. Chez Paul Bonheur, il y a souvent des pots un peu jaunes aussi, des pots d'orque. Je sais pas si t'as déjà testé. Des trucs un peu ocre et... ocre et turquoise. Ouais, pourquoi pas. J'avoue que j'ai beaucoup de mal avec les teintes jaunes et ocre. Donc, ouais, mais pareil. Pas des trucs qui me font rêver. Quoique j'avais fait un perso pour Eden sur sous-couche sable et avec une peau très désaturée comme ça, en gardant justement toutes les teintes comme ça, un peu sable. Ouais. Enfin, je sais pas, j'avais l'impression que la sous-couche avait eu énormément d'influence sur ma peinture. Et ça m'avait bien plu, j'aime bien le résultat. Et t'avais pas noté la recette? Non, parce que je l'avais fait totalement à l'arrache, en mode découverte. Bon, ben voilà, de face on est bien. Bon, il reste le bras, mais est-ce qu'il faut vraiment le faire? Une blessure. Petit battle damage. Ouais, c'est ça. Petit cache misering. Bon, ça devrait quand même être plus rapide, pour déconner. On va marquer la lumière ici. Donc voilà, pour ce... Hop, on va faire du gros plan pour ce cher petit gobelin aux teintes Paul Bonheur. J'ai commencé donc sur une sous-couche blanche par une base bien diluée de Elemental Bolt en deux fines couches. Ensuite, dans quel ordre j'ai fait ça? Je sais déjà plus. J'ai mis du Red Tone d'abord. Non, j'ai d'abord fait... du Scurvy Green. Ouais, la vie Scurvy Green, uniquement dans les creux, hein, pour commencer à travailler mes ombres. J'ai renforcé mes ombres avec du Red Tone. J'ai rééclairci en remettant de l'Elemental Bolt. Ensuite, j'ai ajouté petit à petit du Barrow Blue dans mon Elemental Bolt, pour faire les lumières. Jusqu'à avoir du Barrow Blue pur, puis rajouter de l'ivoire dans le Barrow Blue. Et ensuite, sur les phalanges, la lèvre, le nez et le bout des oreilles, je suis venu faire des petits glacis de Warlord Purple, auxquels j'ai ajouté aussi de l'ivoire petit à petit. Ensuite, les dents et l'espace entre les deux lèvres en fait a été repeint en noir. Et j'ai fait les dents en venant mettre une petite touche de Screaming Skull. Et enfin, j'ai fait les yeux en mettant un petit coup de Dawn Yellow sur le globe oculaire et une goutte de Bloodletter dans toute l'orbite avant de remettre une petite pointe de Dawn Yellow. Voilà. Pour résumer, pour la base, je suis parti sur du Warpstone Claw. Ombré avec un bon gros lavis de Celia Greenshade. J'ai remis un bon coup de ça, donc de la base, pour reprendre les zones qui étaient un petit peu trop sombres ou là où ça avait un petit peu cafouillé. Du mood green. Alors c'est avec le mood green que vous pouvez vous amuser, soit en mettant pas trop et vous obtiendrez une peau plutôt foncée, soit en chargeant vraiment et vous obtiendrez un truc vachement plus saturé. Donc cette étape elle est vraiment importante selon la zone que vous peindrez, ça changera totalement le résultat final. Un peu d'ivoire pour les points de lumière et pour les nuances, et ben c'était les Vilsot Scarlet, pour les nuances, pour le nez, pour les oreilles, pour le cou, les trucs comme ça. C'est simplement jouant sur la dilution. Il y a eu zéro mélange. Vraiment, c'est juste la dilution qui permet d'avoir une teinte plus ou moins rouge ou rosée. Voilà.